la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo swatch. Aujourd'hui je vous propose le swatch de cette poudre minérale de la marque Zao qui se présente donc dans un packaging en bambou qui se clipse avec des aimants comme ceci. Vous voyez, les aimants se trouvent de chaque côté. Voilà comment se présente cette poudre. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien creusée. C'est une terre cuite minérale. Ça va faire un an que je l'utilise. Elle est très pigmentée. Elle se travaille bien. En fonction de comment on l'estompe, on va pouvoir obtenir un résultat plus ou moins marqué et foncé. Elle se travaille bien. Elle s'estompe bien. Je suis satisfaite de cette poudre qui, en plus, comme vous voyez, est très économique. La teinte, c'est la teinte numéro 344. Alors, j'ai fait quelques recherches. J'ai du mal à le retrouver sur différents sites, mais vous avez des teintes un petit peu moins foncées ou une teinte un petit peu plus foncée. Donc, tout en estompant, je pense que ça peut aussi le faire, même plus foncé. Et comme j'aime bien que ça se voit un minimum, donc j'opte plutôt pour des teintes assez foncées en général. La mienne, je l'avais achetée dans mon Biocoop. Donc, à voir aussi dans les magasins bio si on peut la retrouver. Avec cette terre, je fais mon contouring. Je l'applique dans mon cou, je l'applique aussi au niveau des tempes et je fais un contouring sur les joues. On peut aussi en appliquer sur le bout du nez ou pour faire un petit effet bronzé. Voilà, c'était la terre minérale de chez Zao en teinte 344. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!